Le Mirage 4P a fait ses adieux aux armes en cette fin de mois de juin 2005. Le prototype du Mirage 4 a effectué son premier vol le 17 juin 1959. C'est donc pratiquement pendant 46 longues années que cet avion mythique aura parcouru le ciel au-dessus de tous les continents. Ce monstre de près de 34 tonnes en charge ressemble par sa silhouette trapue aux cavaliers en armure du Moyen-Âge. La hauteur de son train d'atterrissage lui confère l'allure d'un échassier et l'on pense même qu'il a du mal à se mouvoir. Ceux qui le connaissent bien lorsqu'il quitte le sol dans le grondement de ses réacteurs pour rejoindre les limbes, la finesse de ses traits en font un oiseau roi. Cet oiseau de paix survole un à un tous les pays à la vitesse fulgurante d'un rapace, alors que sa seule préoccupation est de participer au maintien de l'équilibre entre les peuples. Les quelques minutes qui suivent lui sont consacrées plus particulièrement à ses dernières missions ainsi qu'aux hommes qui l'ont fidèlement servi jusqu'à l'extrême seconde. Hervé Beaumont, spécialiste des avions de chasse d'assaut, nous raconte en quelques mots sa fabuleuse histoire. Le Mirage 4, directement dérivé du Mirage 3, est le plus gros avion de combat jamais construit par Marcel Dassault. Cet avion exceptionnel, qui laissera une trace dans l'histoire de l'armée de l'air, correspondait à l'extraordinaire essor de l'aéronautique française d'après-guerre, correspondait à la volonté du pouvoir politique de l'époque de donner à la France indépendance et souveraineté, et témoigne du génie de Marcel Dassault et de ses collaborateurs. Au milieu des années 50, la France avait décidé de se doter d'une force de dissuasion nucléaire qui nécessitait des vecteurs pour porter une bombe atomique. Faire un avion était ce qui apparaissait le plus rapide à mettre au point, en attendant les sous-marins et les missiles à longue portée. Le projet de Marcel Dassault fut retenu car il correspondait le mieux à la fiche programme établie par l'état-major, qui exigeait un avion pouvant être ravitaillé en vol, capable de voler à Mach 2 à 18 000 mètres d'altitude et en portant une charge d'une tonne avec un rayon d'action de 1500 km. La complexité des contraintes techniques était extrême, avec d'une part la chaleur consécutive à l'échauffement de l'avion à grande vitesse et d'autre part avec la mise au point d'un système complexe de navigation et de bombardement. Il en résulta une mobilisation sans précédent qui impliqua un grand nombre d'entreprises du secteur aéronautique, majoritairement françaises. Le projet avait été confié chez Dassault à messieurs Samin et Cordier, sous la responsabilité de messieurs Cabrières et Desplantes. Le prototype Mirage 401 effectua son premier vol, ici même à Melun-Villaroche, le 17 juin 1959 avec Roland Glavany. Le Mirage 4 était un avion biplace, pilote et navigateur, doté d'ailes delta et propulsé par deux réacteurs Snecma à Tarneuf que l'on peut voir au musée du groupe Safran. Ces réacteurs étaient alimentés en air par des entrées d'air situées de chaque côté du fuselage. Le 19 septembre 1960, René Bigand battait le record international de vitesse sur 1000 km en circuit fermé, à la vitesse de 1822 km/h, démontrant les qualités du Mirage 4A. Ce même mois, l'État commandait 50 Mirage 4A, A pour atomique, commande suivie d'une seconde en 1964,
pour 12 Mirage 4A supplémentaires. Pour accélérer la mise au point d'une version de série légèrement plus grande que le Mirage 4-01, trois Mirage 4 de pré-série furent construits, les Mirage 4 A02, A03 et A04, qui permirent en parallèle l'ouverture du domaine de vol, les essais de moteur, de radar, d'emport et de largage de charge, de ravitaillement en vol et de mise au point du système de navigation et de bombardement. Cette capacité de ravitaillement en vol allait être assurée par 12 avions ravitailleurs Boeing C-135F Stratotanker achetés aux États-Unis. En octobre 1964, les premiers Mirage 4A des forces aériennes stratégiques prenaient l'alerte nucléaire à Mont-de-Marsan au sein de l'escadron de bombardement Gascogne. Ce furent ensuite, au fil du temps, 8 autres escadrons de bombardement qui furent dotés de Mirage 4A, les escadrons Bretagne, Beauvaisis, Guyenne, Cévennes, Sambre, Bourbonnais, Marne et Arbois. Les équipages de ces unités, au niveau d'entraînement très poussé, assuraient une alerte permanente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, constituée de 9 Mirage 4A armés d'une bombe nucléaire et de 3 C-135F. Au centre d'essai du Pacifique, le 19 juillet 1966, le Mirage 4A numéro 9 larguait en réel une bombe AN-21 dont l'explosion réussie validait le dispositif de la dissuasion française. Le renforcement des défenses antiaériennes des pays du bloc de l'Est conduisit en 1975 à la modification des Mirage 4A pour avoir la capacité de largage à basse altitude et pour améliorer les systèmes de contre-mesure électroniques. C'est aussi à partir de cette époque que certains Mirage 4A menèrent des missions de reconnaissance lointaine équipées d'un conteneur photo spécifique. Sur la base aérienne 118, une intense activité règne en ce petit matin frileux sur le parking de l'escadron de reconnaissance stratégique 191 Gascogne. Les mécaniciens, les armuriers et les spécialistes photo s'affairent pour préparer les avions dans le cadre d'une nouvelle mission. Les pleins d'oxygène et de carburant sont effectués dans les vapeurs givrées de l'aube naissante, pendant que les équipages préparent les plans de vol avec le sérieux qui les caractérise. Les moindres détails de la mission sont passés en revue au cours d'un briefing précis et l'ensemble du personnel du bureau OPS, Bureau des Opérations, apporte sa contribution à la réussite de l'opération. Qui se situera près de Perpignan. L'axe est JUIT unité. Notre indicatif radio, ce sera CALO 321. Et on prendra sur le ravitailleur en vol 3 tonnes à 10h20 Z. Le niveau de vol, c'est standard. Le TACAN, c'est X20. Et la fréquence, c'est calcium 20. Pour ma part, j'ai pris des objectifs haute altitude dans la zone de Cognac. Nous effectuerons avec la caméra cartographique WILD à 24 000 pieds, ce qui nous fait environ 11 km de couverture, ce qui est largement suffisant. Ensuite, ce sera capture en basse altitude avec l'ONERA 35 et pour finir, aux alentours de Mont-de-Marsan, deux objectifs. D'accord. Nous allons faire une percée à Tours et ensuite basse altitude aux alentours de Cognac, Bordeaux, Mont-de-Marsan, on peut faire éventuellement des objectifs à haute altitude. Actuellement, nous avons un point à Capsieux, en basse altitude, ainsi que trois zones autour d'Angoulême à faire au niveau 240. Donc, les trois objectifs à 24 000 pieds autour de Cognac, ça me va très bien, il n'y a pas de nuages pour une fois. Ensuite, je prendrai le point basse altitude à Capsieux, ça fait un moment qu'on a à le faire. Et puis pour finir, nous allons prendre quelques objectifs dans P35 autour de Mont-de-Marsan. Alors, P35, Mont-de-Marsan. Hop là, je vais prendre celui-là, Saint-Gien, ça va très bien. Ensuite, non, celui-là est trop loin. Trop loin ? Ouais. Non, je vais prendre celui-là, tiens, Bamako. Impeccable. Et puis, Cognac. Voilà. Et Capsieux, impeccable. Bon, j'ai le 25 qui décolle à 10h, il part en plein sud-est, donc il passe par Toulouse, par Cassonne, Narbonne, orange, donc les couleurs orange et 10. Donc X pour les bleus, orange également, bien bleu. D'accord, ensuite il remonte par la vallée du Rhône.
Les pilotes se rendent à leur appareil dans un état de concentration intense, qu'ils trahissent par le calme apparent avec lequel ils effectuent le traditionnel tour d'avion avant de rejoindre leur cockpit sous l'assistance bienveillante des mécaniciens. D'accord. Pas de fuite hydraulique. Les crochets sont bien ouverts. Le réveil est en place, oxygène ouvert, mon colonel. Très bien. L'oxygène est branché. Moteur démarré. Ok, paramètres sont bons, tout se dégouverne. À cabaret. À piqué. Gauche chemin à droite, gauche chemin à gauche, direction à gauche et direction à droite. On met en route à gauche. Prêt à gauche. Le coupe-feu, les BP. Allumage. Top démarrage. Ça monte à l'image. 2000 tours, petit démarrage, le batterie est éteint. Moteur démarré. Écoute, bon, voilà demain. Field 4, after take-off, you will climb flight level 185, turning right heading 090, Cork 6517. And the frequency with Marina will be 356 decimal 17. C'est bon, je prends, est-ce que je réponds? Et je réduis pour pas passer les autres avions, virage à droite. Les capotements présents étaient stables, c'est bon arrière. Ok. Je t'écoute pour les éléments de décollage. On aura vite à 6000. 75 secondes, V 359, V 180, V 295 nœuds, on roulera 1400 mètres, il restera 2200 mètres, VSR 200 nœuds, on n'a pas de GPS, 210 affiché derrière. Index 210 devant. On se rappelle les panneaux décollage, toute panne avant 100 nœuds, ça sera une interruption de décollage, au-delà de 100 nœuds, on poursuivra le décollage, sauf si on a perte d'un moteur ou d'EPC. Dans ce cas-là, si on est encore au sol, on interrompt le décollage. Je ferai pétillinique et sous-coupé clair et dur, on sortira le parachute, freinage à partir de 150 nœuds. Ils sont engagés à barrière, je lancerai barrière, 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 en double émission sur les deux postes et puis je ferai la même chose sur le poste rouge. Yes. C'est parti. Une charge. Ok, bah, c'est 1000 là, c'est bon. Ok, la vanne à décolle là. La vanne à décolle là. Ouais, 100 nœuds. Et on est toujours. On arrête 150 nœuds. Ok. On déjauge. Airborne. Train. Ouais. Ok, le train est en train de rentrer. Il a fini de rentrer. Et... le parachute est désormais. Ok. Le Gascogne est né en 1933 sur la base de Cazaux, en héritant des traditions de la SPA 79. Intégré dans la 19e escadre de bombardement, il participe de 1936 à 1962 à de nombreuses opérations, dont la campagne de mai-juin 1940. Quarante ans plus tard, le RS 191 Gascogne se voit confier la mission de reconnaissance stratégique et reste la dernière unité à utiliser ce fabuleux appareil, le Mirage 4. Le RS 191 Gascogne dispose de 6 équipages, pilotes et navigateurs, sous le commandement du lieutenant-colonel Priolet, ultime commandant d'un escadron de Mirage 4.
Ces équipages effectuent près de 200 heures de vol par an, auxquelles doivent s'ajouter une cinquantaine d'heures sur AlphaJet, avion d'entraînement moins coûteux. Au cours de la mission, le rôle de chacun des équipiers est parfaitement établi. Le rôle du navigateur sur le Mirage 4 et son rôle principal est la conduite de la mission. Donc ses fonctions principales, c'est la navigation de l'avion, la précision de cette navigation, la gestion de toutes les caméras pour les prises de vue aériennes et surtout l'autoprotection de l'avion, puisque cet avion ne dispose pas de canon ni de missiles. Sa seule protection consiste en des leurres, qu'ils soient électromagnétiques ou infrarouges, et des brouilleurs des systèmes radars qui pourraient nous agresser. Il peut arriver à la fin de la mission que le pilote décide de tirer le parachute de l'avion au moment de se poser. Dans ce cas, le personnel habilité se rend sur le taxiway afin de récupérer la précieuse toile qui fera l'objet d'un reconditionnement dans des ateliers spécialisés de l'escadron. Le pilote dirige quant à lui son appareil vers les hangars de l'escadron afin de procéder aux opérations de stationnement des avions sous la surveillance toujours efficace du personnel de piste. Le Mirage 4P est un avion à aile delta biréacteur de grande dimension qui pouvait se déplacer à la vitesse de Mach 2 et répondait aux caractéristiques voulues par l'état-major. Ce fut le seul bombardier stratégique de haute altitude français. Douze Mirage 4A ont été reconvertis pour la reconnaissance stratégique à haute et basse altitude, alors que le reste des appareils était amélioré à la norme Mirage 4P, P pour pénétration. Il est propulsé par deux turboréacteurs à post-combustion Snecma Atar 9K de 7800 kg de poussée chacun.
Ces derniers étaient équipés d'une structure renforcée et d'équipements électroniques récents. D'une envergure de 11,80 m pour une longueur de 23,49 m, le Mirage 4 a une masse à vide de 14 tonnes pour une masse en charge de 33,5 tonnes. Sa vitesse maximale est de 2300 km/h à une altitude de 13 125 mètres et son rayon d'action est de 1240 km alors que la distance franchissable approche les 4000 km. Son plafond pratique en opération est de 12 800 mètres alors qu'il peut atteindre l'altitude de 20 000 mètres pour des missions particulières. Le Mirage 4 est capable d'effectuer des vols de longue durée à plus de Mach 2 et il est à ce jour encore le seul avion européen doté d'une telle capacité. Quel autre appareil peut se prévaloir de performances aussi exceptionnelles en termes d'endurance? 12 heures de vol, un rayon d'action de 2700 km, des techniques de prise de vue, de réalisation de clichés entre 200 et 50 000 pieds en subsonique comme en supersonique. Son équipement photographique le rend apte à effectuer tout type de missions comme les missions de longue durée à l'étranger, la réalisation de catalogues d'imagerie et la participation à des exercices nationaux ou alliés aux opérations de guerre. Pour mener à bien un tel éventail de missions, le Mirage 4 a fait l'objet d'améliorations récentes. Le Mirage 4P est équipé de deux centrales à inertie SAGEM, adaptées de l'instrumentation du Mirage 2000N, de deux radars panoramiques Thomson Iguane et de dispositifs de brouillage. Une visite périodique nécessite l'immobilisation de l'appareil pendant un mois et délivre un potentiel de 125 heures de vol ou 5 mois en calendaire. Rien à voir avec le Mirage 2000 qui, pour la même opération, délivre un potentiel de 900 heures de vol ou un potentiel calendaire de 40 mois. Véritable avion de paix, le Mirage 4 ne dispose pas de système d'armes. Il vole très vite et très haut, et face à un intercepteur, un virage de 30 degrés suffit à sortir du domaine de tir de l'agresseur. Pour sa protection, le Mirage 4 est équipé de toute une panoplie de contre-mesures électroniques intégrées. Un détecteur de menace tout azimut AGASOL contre les missiles sol-air d'origine soviétique et un lance-leur Halcan en soute-arrière. Les contre-mesures électroniques externes sont constituées d'un pod Thales Barax NG et d'un pod Lanceleur Boss 103 contenant des paquets de paillettes EM et 18 cartouches IR de 50 mm. La recherche du renseignement et l'interprétation des résultats est une donnée fondamentale pour les états-majors. Les nouvelles capacités de transmission de données qu'apportent les satellites ont obligé les équipages à faire évoluer leur mode opératoire vers un seul objectif, fournir au plus tôt aux demandeurs les clichés interprétés des objectifs assignés. Ok, parfait. Maintenant, j'aimerais que tu me la replaces sur la carte de la zone.
Le capitaine Chess, 2500 heures de vol sur Mirage 4, nous présente quelques-unes des techniques utilisées en préparation des missions. L'artillerie, c'est pareil, on peut l'enlever. Ok, donc maintenant j'aimerais que tu me l'agrandisses. Nous passons maintenant à la phase de préparation de la mission sur un système informatique qui s'appelle Melissa et qui va nous permettre de pouvoir mettre les coordonnées de nos points de navigation dans un système que nous appelons un MIP qui sera ensuite introduit dans les centrales inertie de l'avion afin de pouvoir avoir le plan de navigation en automatique dans l'avion. D'ailleurs, nous allons passer maintenant à la phase pratique. Donc nous, maintenant, nous rentrons dans le système de préparation Melissa, une nouvelle mission, la configuration, donc les photos avec les réservoirs, et nous passons directement à la saisie des points sur une carte. Alors l'échelle 1500 000 n'est pas adaptée à la haute altitude, donc nous allons passer à une échelle beaucoup plus grande qui sera la 2 millions. Voilà. Les points de report haute altitude. Et là maintenant, nous rentrons dans la phase de saisie des points. Voilà. L'axe de ravitaillement dont nous avons parlé tout à l'heure, Judith. Ok. Voilà, l'axe de ravitaillement est terminé. Et la percée sur tour. Le terrain de tour est ici. Voilà. Et ensuite, nous attaquons la phase basse altitude. Nous changeons cette fois-ci d'échelle de carte. La 500 000 étant beaucoup plus adaptée à la basse altitude. Voilà, on déplace le but pour le mettre sur la plateforme de tour. Et ensuite, les points de basse altitude que l'on peut directement digitaliser sur la carte en fonction du tracé que nous avons fait tout à l'heure sur la carte du pilote. Le Mirage 4 assure bien entendu des missions quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit et peut décoller dans un temps très court. Le RS-191 Gascogne se consacre avec ses 160 personnes à la reconnaissance stratégique. Il ne travaille pas pour la mission, mais pour les missions.
Pendant plus de 30 années, les opérations de reconnaissance photographique s'enchaînent. L'opération Condor, par exemple. En 1996, la France est mandatée par l'ONU pour régler un vif différend entre le Yémen et l'Érythrée à propos des îles Aniche en mer du Sud. Dès le feu vert donné de déployer des vols de reconnaissance au-dessus des îles, un Mirage 4P C-135 est dépêché. Ce sont 10 missions qui seront effectuées par les Mirage 4P de l'ERS 191, permettant ainsi de régler pacifiquement un contentieux frontalier. En 1998, l'opération Aladdin est réalisée au profit de l'UNSCOM. 30 missions de reconnaissance sont effectuées au-dessus de l'Irak par deux Mirage 4P. Les photos transmises à l'ONU ont permis la surveillance de sites répertoriés comme douteux en Irak, en fournissant des sources d'informations hors influence américaine. Entre 2001 et 2002, c'est l'opération Héraclès. 76 missions sont effectuées en Afghanistan, permettant la reconnaissance de plus de 1650 objectifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international engagée avec ses alliés après les attentats du 11 septembre. Toujours en Irak en 2003, l'opération Tarpan consista à réaliser 15 missions photographiques pour appuyer la commission de contrôle et d'inspection des Nations Unies. Cresserelle, Trident, Opération Jericho, Tamouré, Chistera, en 30 années, la liste est longue, mais toutes ces missions de reconnaissance seront correctement effectuées et les objectifs atteints grâce aux performances du Mirage 4, mais aussi grâce au professionnalisme et au courage des hommes de l'armée de l'air. Après chaque mission, les décideurs auront les renseignements nécessaires à la prise de décision et à la bonne prise de décision. L'avion a toujours été au rendez-vous et a fait ses preuves sous tous les cieux du globe après avoir été confiné à l'Hexagone. Il a prouvé ainsi sa grande valeur et celle de ceux qui le mettent en œuvre. Ces quelques mots empruntés au commandant Saulnier, dernier CST sur Mirage 4, montrent combien les hommes du soutien ont su également s'adapter dans les missions les plus difficiles. La mission de renseignement est une mission exigeante qui réclame de la précision. Lorsqu'ils sont en vol, les équipages sont concentrés sur leur activité et doivent compter sur leur avion, sur sa fiabilité et surtout sur celle de son équipement. Grâce aux mécaniciens, le Mirage 4 était de ces avions qui ramenaient ses pilotes à la base. Les missions de reconnaissance étant en majorité des missions de longue durée, les équipages sont amenés régulièrement à effectuer un ravitaillement en vol. Le lieutenant-colonel Priolet nous commente en direct un de ces ravitaillements. Le 304 Bravo est en train de prendre du pétrole. Il prend du pétrole à hauteur de 1 tonne par minute. Sachant que l'avion ravitailleur 635 SR peut donner environ une trentaine de tonnes à différents appareils. Bien entendu, lui consomme, donc plus il fait du temps de vol et moins il pourra donner de carburant. Mais c'est un ordre de grandeur. Dans 30 secondes, il a viré. Donc la difficulté lorsqu'on est en virage sur tous les appareils, c'est qu'il faut remettre un peu les gaz. Donc il faut anticiper, surtout sur Mirage 4 où la régulation moteur est assez lente. Et bien, on se prépare. On se prépare en fait à remettre les gaz juste au moment où il va partir en virage. Parce que si on prend un peu de retard à ce moment-là, eh bien on risque de sortir du panier. Parce que la puissance ne va pas assez vite pour revenir en bonne position. Voilà, il part en virage. En fait, il y a deux personnes dans le boom. Il y a donc la personne sûrement un observateur et en plus la personne qui elle, guide la perche de ravitaillement. En fait, la perche fixe est guidée par ce qu'on appelle le boomer. Et le pilote, lui, maintient par rapport au bout de la perche une position qui, en gros, permet de jouer à plus ou moins 80 cm à 1 mètre. Donc ça reste du pilotage assez précis. Et quand l'air est calme, normalement la position est assez stable.
mais des fois lorsque ça turbule, c'est un petit peu du sport. Pour assurer sa mission photographique, le Mirage 4P est équipé d'un conteneur technique CT-52 installé sous le ventre de l'avion, dans le logement laissé libre par la bombe atomique. De taille respectable, une longueur de 5,80 m pour une largeur de 0,80 m et autant en hauteur, ce conteneur équipé affiche une masse de 800 kg. Il est divisé en trois compartiments distincts. Le premier loge une caméra nasale Omera 35 de 150 mm de focale, photographiant vers l'avant, puis une Omera 35 de 75 mm verticale, suivie par deux autres obliques gauche et droite de 150 mm. Ces appareils utilisent des films en format 114 mm. Le domaine d'utilisation est de 150 à 10 000 pieds. Le second compartiment abrite une caméra Wide RC8F de 152 mm qui utilise des négatifs de 228 par 228 mm, suivie par les H-ATRI, les trois caméras Omera 36 de 600 mm de focale, à nouveau au format image de 114 mm. Ces quatre caméras sont utilisables en subsonique de 10 000 à 45 000 pieds pour la Wide et de 20 000 à 45 000 pieds pour les H-ATRI et en supersonique, de cette dernière altitude à 60 000 pieds. Le troisième et dernier compartiment contient l'équipement de conditionnement destiné à maintenir une température moyenne de 30 degrés. La disposition et le champ de l'ensemble du dispositif permet de couvrir une largeur égale à 8 fois celle de l'altitude de l'avion. Les photographies sont en noir et blanc, et les émulsions couleurs sont rarement employées. Bien, c'était bon pour le vol, impeccable, l'avion est bon et... Mirage, et là c'était bon, tout allait bien. Et après, à un moment, au cours du vol, en rachat c'était bon, et au cours du vol, ça m'a refait... Donc là, l'aiguille a bougé un petit peu, mais la vitre ne bougeait pas. Pendant que les pilotes débriefent leur vol avec les officiers mécaniciens, les photographes déposent les magasins du pot photo afin d'en effectuer le traitement dans les meilleurs délais. Ok, donc Target, c'était au nord de la ville, on prend la route, on suit la route, et c'est dans cette zone-là en gros. Donc là, dès que les clichés sont développés, les équipages, pilotes et surtout navigateurs, rejoignent les officiers renseignements autour de la table lumineuse pour aider ceux-ci à interpréter les documents au plus vite. C'est bon, on y cherche. Oui, l'antenne ne se voit pas trop parce qu'on est à la verticale, mais
La zone, ah ouais. C'est bon. Objectif Montpellier, donc FR45, on était au niveau 140 et au cap 360. Il était 10h20. Voilà. Pour celle-ci, vous allez me chercher une catégorie 3. Et bah, de mon côté, je vais faire la synthèse de l'activité aéronautique sur l'autre partie. Ok. Donc, et tu me donnes le compte-rendu à l'issue. D'accord. Voilà. Donc là, je sais que tu regardes. Je sais. Ok, ouais. On va essayer de faire un petit peu en large. Comme ça ? Ouais. Le laboratoire de photographie peut ensuite effectuer le process nécessaire à l'établissement des documents dans le format et le support demandé par le commanditaire. Des milliers de clichés d'une précision remarquable ont été réalisés sur tous les théâtres de conflits internationaux et sous toutes les latitudes. C'est sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac que se trouve le temple de la mécanique de cet avion mythique depuis 1964. Le STS assure la maintenance des Mirage 4P et de ses principaux organes accessoires équipements. Le personnel réalise les visites périodiques des aéronefs, mais aussi des moteurs Snecma ATAR 9K14. Cela représente un travail quotidien acharné pour offrir une capacité opérationnelle constante à l'escadron de reconnaissance stratégique Gascogne. Les moteurs des Mirage 4P déposés pour panne, absorption ou visite périodique arrivent par camion à la base aérienne 106.
L'ATAR 9K14 est un moteur d'une génération ancienne, mais que les mécaniciens... C'est de la grosse mécanique, pas d'électronique. Ce sont eux, les mécaniciens, qui auscultent le moteur. Ils le font parler pour trouver l'origine des pannes sans l'assistance d'ordinateur, mais avec l'expérience de plusieurs décennies d'utilisation. Cet avion en fin de vie demande un entretien minutieux pour garder son niveau de performance, qu'il s'agisse des réacteurs ou des atterrisseurs. Ça va trop vite. Et ça monte. Ouais, aligne-toi. La remise en état terminée, après le passage de plusieurs contrôleurs, le moteur va au banc d'essai réacteur où le personnel prépare branchement des prises de pression, câblage électrique, arrivée pétrole. Oh. Attention, je ferme la porte. Les essais au banc étant effectués, les moteurs retournent alors à l'atelier pour y subir les dernières opérations de remise à hauteur ou un essai de post-combustion en place sur l'avion. Une fois déclarés disponibles, ils sont enfin renvoyés par camion à Mont-de-Marsan afin de poursuivre leur dernière mission. Capitaine Emmanuel Mazzocco, 1700 heures de vol sur Mirage 4, s'exprimait ainsi. Vecteur inégalé pour le renseignement stratégique, plateforme photographique unique au niveau européen, il offrait aux décideurs politiques une source de données qui corroborait les clichés satellitaires et autres sources américaines. Présence discrète, souvent, mais toujours importante, décisive. Désormais, les conflits se passeront de ses services, des nôtres également. Certes, nous n'avons pas démérité, nous étions toujours prêts à partir en quête d'images et d'émotions,
en quête de réalité et d'aventure au sens noble du terme. Il peut maintenant quitter l'arène la tête haute. Aujourd'hui, la légende se transforme en mythe. Sa place est désormais au Panthéon de l'aviation, où il va rejoindre le Concorde, le SR-71, les vieux Latécoère et autres blériots. Il peut partir tranquille, il restera longtemps dans la mémoire et dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le côtoyer au quotidien.